C'est le Scan 7 et aujourd'hui nous retrouvons sur The Red Series pour une nouvelle vidéo pour un nouveau système Redstone, bien sûr. Donc là on est un peu tard le soir, donc c'est pour cette raison que je parle pas très fort, mais vous en faites pas, je suis toujours présent et voilà, hein. Et toujours plein d'énergie les amis. Et aujourd'hui le petit système, une machine pour récolter de la canne à sucre automatisée. Donc comme d'habitude, j'aime pas trop les trucs automatisés où que tu t'en vas puis tu fais rien puis ça se récolte. J'aime bien quand que ça fait ça comme ça et que ça récolte le tout d'un coup. Donc voilà. Et là j'ai une warp parce qu'il y a un truc qui s'est allumé en arrière. Donc voilà. Et le truc automatisé, donc plusieurs façons de le faire, en fait deux façons. La façon avec les repeaters, donc vous envoyez le courant, vous cliquez et bim, ça fait juste cliquer sur le bloc et ça les envoie. Et vous avez remarqué qu'il était décalé puisque j'ai mis un tic de délai pour tout simplement quand il y a un problème, vous voyez, des fois il y a des cannes à sucre comme ça qui restent pris, et bien ça va les repousser et les ramener au centre. Donc c'est juste une façon d'économiser. Ensuite, bon attendez, je vais réparer. Voilà, et ici de l'autre côté, tout simplement le système fait comme ça. Je vais vous montrer tout ça, ce sera pas bien long. Donc ici le courant arrive d'ici, comme vous voyez, il prend le bloc, torche redstone, la redstone sort ici, parcourt tout au complet, et c'est tout simplement une rangée comme ça. Et lorsque vous actionnez, et bien ça y va, voilà, tout simplement. Donc un inverseur bien sûr pour que ça puisse fonctionner. Ouais, il faut juste que je répare le tout puisque je ne me rappelle plus comment je l'avais fait. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y avait ça. Ça, désolé, tac. Comment j'ai fait ce truc? Non, vraiment pas. Ça, c'est comme ça. Et ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc petit système vraiment simple. Ensuite, pour les ramener avec le hopper, tout simplement à l'intérieur. Laissez-moi vous montrer la voie. Donc, bien sûr, j'ai fait la déco intérieure. Mais c'est vraiment pas compliqué. Vous mettez une ligne d'eau avec des blocs. Et si vous mettez des demi-dalles, ben, regardez, vous mettez des hoppers dans le fond qui se dirigent tout au même endroit. Et bien sûr, des demi-dalles avec des hoppers en dessous pour que les trucs ils tombent direct dedans. Comme ça. Comme vous voyez, ils sont absorbés directement. Et ça va les emmener tout simplement au coffre qui est juste au bout. Donc ici, il y en a un. Il est là. Donc, voilà. Vous voyez le coffre. Et voilà. Et ça se ramène tout au bout. Et c'est super dans ce temps-là. Ouais. C'est ça, en gros. Le petit système et aussi pas grand chose d'autre qui arrive ici, et voilà, tout simplement. Donc plusieurs autres épisodes sont à venir. Désolé de pas avoir fait beaucoup d'épisodes ces temps-ci, et désolé d'avoir fait un épisode d'édition un peu bâtard en ce moment parce que je suis beaucoup sur Apollo Cube, sur le serveur UHC et tout. Vous en faites pas, une vidéo pour montrer notre avancement sur le serveur UHC arrive bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien, laissez un j'aime, abonnez-vous. Et bien sûr, pour d'autres systèmes Redstone, écrivez-moi dans les commentaires. En gros, écrivez-moi dans les commentaires le type de système Redstone, n'importe quoi que vous aimeriez bien avoir pour la prochaine vidéo. Puisque pour l'instant, ce que je vais vous présenter, c'est la machine à poulet automatique, qui est très très simple. Et bon, ce n'est pas à présenter en fait.
Je vais juste vous montrer, c'est piège à Kiku. C'est la merde, mais voilà. Ça me tentait d'en faire un tantôt. C'est la base de tout, les pièges à Kiku. Et pour piéger Cooper aussi et tout. Donc voilà, petite cabane à Kiku. Donc, j'espère que vous appréciez cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime, abonnez-vous. Merci et bonne journée.